Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en compagnie de Younes. Salam. Pourquoi t'es triste? Je sais pas quoi manger les gars cette année à 5h du matin, j'ai pas d'idée. Je sais pas, entre des pâtisseries, des sandwichs, des gâteaux, y'a trop de choix. Donc aujourd'hui la famille, vous allez nous aider à choisir notre meilleur repas à 5h du matin. Mais Yacine aussi va au magasin, y'a rien à manger. Ok c'est parti, on va aller au magasin, essayer de trouver des trucs de fou pour se faire un vrai repas à 4h du matin. Let's go. Les gars, 5h du matin c'est une dinguerie. On a toujours envie de se faire des sandwichs, mais je sais pas quoi prendre comme pain, Younes. Bah prends des pains. Déjà non, faut jamais prendre ça là. Les pains américains sandwich comme ça, faut jamais prendre ça. Mais pourquoi c'est les meilleurs? Faut prendre du pain complet, c'est les meilleurs trucs au complet. Ah genre ça va te caler pour faire du sport. Exactement, t'as les gros pains comme ça là, Harris. Ouah, ceux-là sont pas mal. Bah prends celui-là en vrai pour faire des sandwichs. Mais regarde la date. La date c'est le 24/03. Ok, carré. On attend. Et les gars, regardez, dans le panier on a pris du fromage, tranche de dinde, des œufs si on veut mettre des œufs. Il y a de tout, c'est parfait. Et les desserts, tu prends quoi au dessert? Les desserts, on a pris ça. Des goûts. Ah ouais, tu penses que Miram va être contente? Elle va être super contente. Et boissons, il y a des boissons derrière. Non, San Pellegrino, c'est un ouf. À 5h du matin, c'est de l'eau. De l'eau, les frères. Parce que là, la journée, t'as trop soif. Là, faut boire que de l'eau. J'espère que Yacine m'a ramené des vrais trucs. Tu vas déjà manger? Bah ouais, en fait. Déjà? Oui. Ah, la technique, c'est de regarder s'il y a des restes, parce que j'ai la flemme de faire à manger, franchement. Mais comment t'as la flemme à ton âge, frère? Fais à manger. Bon. C'est les plats de maman, je te dis, c'est diététique. T'as une vraie idée, un cordon bleu? Il y a un cordon bleu? Comment dans cette famille on laisse des cordons bleus en vie? T'as de la chance que je suis pas passé là avant toi. Qu'est-ce qu'elle va faire, les gars? Du pain à riz. Du pain et du cordon. Ah, toi t'es à l'ancien. Est-ce que vous aussi, la famille, votre frigo il est rempli au début du ramadan? Après, plus les jours ils passent. À la fin, il reste que ça. À la fin, il reste que un fruit. Oh, il y a un fondant. Elle va se mettre bien les reilles. Il y a de la mayonnaise. Bah, allez, vite. Ça? Mais il y a plein de sauces. Regardez, il y a de la sauce algérienne. Oh, fais voir ta dent. Oh la dinguerie! Tu fais quoi, Myriam? Je suis trop petite! Oh là là, mais grandis un peu! Eh les gars, à 5h du matin, t'es comme ça. Comment tu veux te faire un sandwich? Je sais pas, Myriam, franchement, les reilles. Mec, à 5h du matin, je me vois pas faire un sandwich, je serais fatigué. C'est une blague de pain? On commence toujours par une base. On met de l'andalouse et de l'algérienne. Je sais pas, la famille, si vous avez faim à 5h du matin, mais Myriam, dis-leur comment c'est important de manger à 5h du matin. Incroyable. Après la journée, tu vas regretter. Non, pourquoi j'ai pas mangé? Vous savez, un jour, j'ai fait le ramadan. Et genre, j'ai regretté parce que genre, j'ai mangé que un bol de céréales. Et l'après-midi, je me suis dit, mais Myriam, t'es bête, pourquoi t'as pas mangé? De ouf, même si vous êtes fatigué, levez-vous en plus. Par contre, attendez, faut étaler un petit peu l'andalouse là. Sinon, ce sera sec, tout dans tout le pain sera. Mais frère, il fallait attendre 2024 pour voir Myriam se faire descendre tout seul, je suis mort de rire. En vrai, tu vas tenir jusqu'à quelle heure avec ça? En vrai, je pense que je vais tenir jusqu'à, allez, 18h. 18h, les frères. Là, on va venir mettre de l'emmental, bro. Et on en met. C'est ton emmental là. C'est quoi ça? Zéro hein, là, l'ouverture. Il est balèze, hein, regardez. Oh, voilà, moi, je te conseille de le mettre à chauffer 30 secondes. Eh, mais moi, j'ai 20... pas votre âge. Hein. Moi, j'ai besoin de grandir, j'ai besoin de force. Eh, ton sandwich, il est bas de grand. C'est bon, on a compris. Tu vas faire des haricots, c'est sûr. Non, moi, je vais faire une vraie recette pour les reilles. Mais en vrai, je sais pas encore quoi faire. Faudra que les gens ils m'aident. On croit. Et tout qui tombe. Ok. Un bon petit croc. Imagine, tu grailles ça à 5h du matin tout seul comme un fou. Tiens, t'es là, tu fais ça. Et y a ta famille qui descend. Mais qu'est-ce que tu fais? Les gars, vous savez, il me fait penser à quoi ce sandwich? À quoi? Il me fait penser au midi là quand je rentre de la cantine et que tu manges des frites que papa il te fait ou que toi. C'est vrai, mais il y a tout qui tombe. Mais c'est normal, tu l'as trop blindé, je te l'ai dit. C'est pas grave. Wesh. Là, les gars, là, c'est le moment du dessert et là, je sais que c'est ton dernier moment. Après, dans toute la journée, tu vas rien manger. Là, crois-moi que tu vas bien savourer. Hein. Mamma mia. Mamma mia. Ton dernier repas. Quel silence en durant à la bibliothèque. C'est incroyablement bon. Vraiment? C'est ça. Est-ce que je laisse une question pour toi et réponds? Genre, est-ce que par exemple, t'es en train de manger et genre, c'est une seconde. T'as fini une seconde dès que la donne, il a commencé, t'as le droit? Non. Genre, dès qu'il la donne, ça y est, c'est fini. Attends, genre il fait genre, t'as ta dernière bouchée, il fait Allah. Tu recraches. L'année dernière, on était parti à la Mecque et franchement, ça passe vraiment trop vite. Ça fait déjà un an. C'est une dingue. Et on a encore une séquence à vous mettre. Franchement, la Mecque, c'était incroyable. Je vous souhaite à tous et à toutes d'y aller. Regardez-moi ça. Là, on vient de finir de prier. Regardez comment c'est impressionnant le monde qu'il y a. S'il vous plaît. Hein. Regardez, là, il y a combien de personnes pour vous? Et dites-vous, c'est même pas un grain de sable de ce qu'il y aura au jour du jugement où tous les êtres humains vont être réunis. Là, c'est la mosquée où vous avez reconnu. Hein. Là-bas, il y a la Kaaba juste à côté. J'en profite pour vous dire une chose très importante. Tous les ans, on va en vacances. Tous les ans, on se fait plaisir. Quand je dis moi, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. C'est bien d'aller en vacances, il n'y a aucun souci. Hein. Mais prenez quand même un moment pour venir ici, c'est très 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 important. Si vous voulez les vacances éternelles, dites-vous qu'il faut œuvrer dans cette vie. Et ce lieu-là, si tu viens, c'est là où tu vas te rendre compte de la vraie vie. Parce que nous, on est même pas dans la vraie vie. Là, tu vois les personnes, ils sont de toute origine. Des personnes petits, grands, gros, maigres, malades, en bonne santé. Tu vois, tu pètes un câble, tu dis, mais subhanallah, en fait, c'est universel. Et quand tu viens ici, tu te sens...
tu te sens d'une manière que tu n'es jamais bien senti. Vous voyez, l'ambiance du ramadan, c'est x 10 000. Vous venez ici, vous pétez un câble, vraiment. Donc, il faut vraiment venir pour faire le ramadan ou le hajj et essayer de vous rapprocher de Dieu. Et en plus, ici, tout est multiplié. Tout a t'aléré des récompenses de fou malade. Il est 21h là, c'est comment? Les gars, là, actuellement, il est 21h. Il y a Omar avec nous qui va jouer à Fortnite. Omar, c'est quoi ton repas type que tu manges à 4h du matin? On veut le meilleur repas parce que les abonnés, repas, peut-être, ils n'ont pas d'idée. Un vrai repas. Moi, je me verrais faire 2 tortillas. Avec poulet, curry, salade et tout. Ok. Ensuite, tu te manges un peu de sucré, un peu de chocolat. En finissant avec 4 dattes, une bouteille d'eau. Voilà, ok, c'est son repas parfait. Ok, ça me donne... La prière, Omar. Faut faire un choix sur la prière sur Fortnite, Omar. C'est l'heure de la prière. T'es sûr? Tu mets du temps à réfléchir. Arrête, j'arrive. C'est l'heure de la prière, Omar. Non, mais allez. Soit tu finis ton fight, soit tu viens tout de suite. Arrête. Omar, il t'appelle. Tu feras appel à Fortnite dans ta tombe. J'arrive. Dernièrement, il y a un bouton pour réinitialiser les construits. Lutte contre ton âme et viens prier, mon frère. Oui, j'arrive, les frères. Barakallah aussi. Salat, khayri, minal nom. Pour qu'on descende en bas, Yasmi dit il a envie de faire pipe. Bon, là, il faut que j'aille, il a raison. On va faire les ablutions. On va faire tes ablutions. C'est bien, les frères. Regardez, tout le monde va prier. Vous aussi à la maison quand c'est l'heure de la salat. Petite pause, on va prier et c'est reparti. Il y a des pizzas en bas. Quoi? Parce que quand il y a les pizzas, t'es obligé d'aller manger, après tu dois prier. Il y a des pizzas, mais non, elles sont pas encore arrivées. Elles sont pas arrivées. Ils ont commandé. Mais elles sont arrivées. Non, elles sont pas arrivées. C'est vrai qu'en plus c'est la nuit. J'ai entendu ça après, moi, ce qu'ils ont dit, elles sont pas arrivées. Ah, il y a les pizzas en bas? Non. Oh là, il a dit non, voilà. Allez, il n'y a pas de pizza. Il n'y a pas les pizzas. Après la quête de Salat al-Aisha, tu me dois de me passer une manette. Quand tous les petits viennent à la maison, je cache tout parce qu'ils m'ont cassé mon casque. Mais attends, s'il te plaît, où est-ce qu'elle est la cachette? Faut que je te. Quoi? Ouais, merci. Ultime technique secrète. Et mettez des bouteilles d'eau ici. On a de l'eau gazeuse, on a de l'eau comme ça. La nuit, à chaque fois que tu te lèves pour aller aux toilettes ou quoi, bismillah. Tu bois. Bien évidemment, cette scène est réalisée avant le ramadan, ok? Qu'est-ce que tu fais? Bah, on filme ce que tu fais, je sais pas, t'écrases une banane. Pourquoi t'écrases une banane? Non, mais Yassine, après tout le monde va voir la recette. Vas-y, montre-leur, arrête de faire le rat. Bon, les gars, je vous explique. J'en ai marre de manger des conneries. Ces derniers jours, j'ai mangé n'importe quoi. Donc là, je vais me faire mes propres trucs moi-même. Je suis un cuisinier, je suis un boss. Donc là, on prend de la banane, on l'écrase. Tout simplement. Et ensuite, ici, j'ai tout préparé. Farine. Ah, Younes, c'est une question. Pourquoi mon papa, il t'a appelé Younes? En fait, Younes, c'est le nom d'un prophète. Et vous savez, c'est quoi son histoire? Il a été envoyé par Dieu à un peuple. Il leur a dit, croyez en Dieu, faites le bien. Et le peuple, ils n'ont pas voulu l'écouter. Ils ont dit, non, laisse-nous tranquille. Jusqu'à le prophète Younes, il s'est entre guillemets énervé. Il est parti alors qu'il n'avait pas le droit de partir, tu vois. Il a pris un bateau. On casse les œufs. Le prophète, il a pris un bateau et il y avait une tempête. Et pour pas que tout le monde coule, ils ont dit il faut qu'on se débarrasse du poids. Tu vois, faut qu'on enlève du poids. Et ils enlèvent du poids et le bateau, il est toujours trop lourd. Donc ils ont fait quoi? Tirage au sort. Pierre, feuille, ciseaux. Enfin, ils ont pas fait pierre, feuille, ciseaux, mais en mode ils ont fait un tirage au sort. Et 3 fois, ça tombe sur le prophète. Donc alors, il était obligé de sauter. Il a sauté en pleine tempête dans la mer. Et il y a un gros poisson qui a avalé le prophète. Il était dans son ventre. C'était une dinguerie. Il a fait une prière. Il a demandé à Dieu, Dieu pardonne-moi. Et Dieu, bien évidemment, notre Seigneur, il pardonne. Il a pardonné. Il est resté dans le ventre de la baleine. La baleine, elle l'a recraché. Et ensuite, il est revenu à son peuple. Et vous savez quoi? Tu sais, son peuple qui croyait pas au début, tout le monde croyait. C'est incroyable. Allez regarder l'histoire du prophète Younes. Après mélangeage. Ah ouais, ça donne vraiment un truc bien. T'as vu ce qu'on va faire, les frères? C'est qu'on va mettre du spray pour pas que ça colle. Voilà, je pense qu'à 5h du matin, ça peut être un bon repas, ça. On va faire couler ça. Bon, je mets ça à cuire, la famille, en mode pancake. Regardez, ça va faire comme ça. Je mets ça à cuire et après on va graille. Ça y est, ça va être l'heure de manger, la famille. Et s'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de vous. À ce moment précis de la vidéo, mettez en commentaire ce que vous mangez à 5h du matin. Mettez vraiment votre repas, que ce soit des princes, des Kellogg's ou un repas salé, parce que j'ai vraiment besoin d'idées pour cette année. Je veux faire du sport, donc il faut que je mange bien, Inch'Allah. Donc j'attends vraiment vos commentaires. Pour le réveil à 5h du matin, t'es KO ou t'arrives à te réveiller normalement? Ah non, moi quand le réveil il sonne, je sais qu'il faut manger avant de prier. Ah, je me lève en mode 4e vitesse. Donc là, les amis, j'ai pris un peu tout ce qui me passait par la tête. J'ai pris des légumes et de la viande. Je me suis dit que jusqu'à là c'est carré, mes crêpes de tout à l'heure, et si j'ai encore faim, une petite poire. Je suis obligé, les gars, pour faire du sport comme Yassine, vous avez vu, il était à la salle. Si je mange un truc claqué, j'aurai faim. Donc moi, ce que je fais, c'est que je commence par le ketchup. Celui-là, parle-leur de ce ketchup, Yassine, comment il est bon. Bah, en gros, ce ketchup-là, c'est du ketchup normal, sauf qu'on enlève 70% de sucre et il est super bon, franchement. Tous ceux qui veulent continuer à manger de la sauce, sans grossir. Parce que le ketchup, il y a grave du sucre. Hein. Tu sais, il coûte combien, mon frère? Il coûte combien? 5 euros. J'ai honte de le dire. Je préfère pas le dire, vous allez nous traiter. Donc ce que je fais, c'est que je dis bismillah, je prends un morceau de viande comme ça, les amis. Un peu de légumes, moi c'est mes mélanges du ramadan, j'ai toujours fait ça comme ça.
Et là, bismillah. Même ça, ça a l'air bon. Sérieux, ça fait comme un sushi. Mais attends, mais c'est quoi ça, Younes? Mais c'est pour boire. Et pourquoi t'as mis 4 grosses bouteilles sur la table? Mais c'est pour faire mes réserves d'eau, mon frère. Ensuite, on continue. Avec ça, par contre, Yacine va vous dire, me dites pas, je mange pas à 5h du matin. Essayez un maximum de le faire. En fait, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui peuvent manger comme Younes beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il y a les personnes comme moi qui, quand ils viennent de se lever, ça passe pas, tu peux rien manger. Et du coup, tu fais comment? Ah, tu manges pas. Soit tu prends une compote, soit tu prends de l'eau. Pour bénéficier des baraquas de ce repas, t'es obligé. De l'eau ou une compote. Voilà, c'est bien. C'est mieux que rien. Ou un peach. On va voir, les gars, si ma recette, elle va payer, si je vais manger ça pendant le mois ou pas. Oh là, du Nutella sur des pancakes. Là. Oh, tu peux faire quoi? Tu mets des morceaux de poire dessus. Non. Je sais pas, c'est pour ça que j'attends vos commentaires. Je vais bien regarder ce que vous mangez à 5h du matin. Parce que de une, c'est trop long à faire. Et en plus, je sais pas si j'aurai la foi de manger ça tous les matins. Donc la famille, nous, on va vous laisser là avec Yacine. Dites-nous vraiment, vraiment ce que vous mangez à 5h du matin. Et n'oubliez pas de mettre un like, surtout si vous faites le ramadan. On se donne tous de la force, la famille. Et demain, normalement, on met une vidéo où tu essaies de faire le ramadan, Inch'Allah. Ouais. Allez, ciao.